Balukinga na butu esimbite Bitumba ya molili balongite Sokyo moni na tongo bakomi agite Ye bakyo na butu esimbite Ba propose ba mongo esimbite Ba efo nyonsa obamba ye Soki nazwa talipa ye bakangi elongi Nyonsa po na butu esimbite Bambuna bakwei, bakwei lisusu Bambuna bakwei, nenye satana kwei, aki bakwei lisusu Moto azala kina koma, afungoli miso ye Mbotambu isi ye sango kasi balingi ye kata ye Bekulu swambongi sela kinai, babaki ye mokwe Atabando chali banda basangani na oyo yakate Baluki ngana butu esimbite Bitumba ya molili balongite Sokyo moni na tomo bakomi ashite Ebake na butu esimbite Bapanditi babongo esimbite Baefo nyoso bambae Soki nazwa talipa ebakangi elongi Nyosoko na butu Nous sommes la lumière. Nous dérangeons ce monde des ténèbres. C'est pourquoi nous sommes. Quand vous monde, quand vous journée à Donc les lois, on a vu ça tout à l'heure. Commentaire raté. Des besoins mon aka tata, ma préparation, ma nini les lois kaka. Sans mon trou. Ningia kolouba, t'es bien mon kaba image beau monde. Ça se passe très bien, on est très contents. Voilà, je peux dire, on est très contents d'être là avec la mariée et les belles. Ce que je voulais dire, c'est merci à maman. Depuis qu'il était là le matin, il n'a pas bougé, il est là. Vraiment bravo. Chael. Kabou Girago, depuis le matin, il est là, jusque là. Il a mangé, on est là. D'accord, vraiment c'est vivant. Là, deuxième maquillage, il y a soirée. Pour vivre, pour ressentir. Je me suis dit, mais bon, tu touches ce cas. Tu peux déposer un peu le bleu là. Moi c'est Libala, au cas où ça cancale, dans mon dos, un doki, au Z, c'est quoi? Ah, on va pas prendre la Z, non, mais on a un peu de magasin à vite, et ça a l'air de y'en mourir.
kaye bato ba mona kaye lelo apanza ngai sango sango alobi yo sala kati se fe mamu mokolo mosusu tongo etandeli mepai mosusu olalaki na ndako te Je suis un peu plus de la Syrie, 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 je su
mais la diaspora, maman y a parlé yo, madame y a calamité, tu sais le mot quoi, quand on dit que t'as sali, après c'est difficile à la diaspora, ma balle la bambo, mais aussi sa histoire on a parlé du Congo. Vous avez la marraine est comme sénatrice. Vous votez à cause de sa réélection, Gaïe Filizoni. Bien avis, son mari, Galbagir, à Validaro. Mais, il gagne du soja. Tamola, ce qu'on a baillé, il n'y a pas de comprendre l'idéologie. Tamola, il n'y a pas de dodjika, Amani. Tamola, il n'y a pas de skin, c'est pas de basse dans ma gamboya solo. Parce qu'il y a un vite au balobi, si elle est dans ma boire, elle va défendre un homme américain. Ma yuma, on a baillé, ma yuma, ma cosa bateau. Trafic d'influence, c'est effacé. Ma prochain retour. So, on va le la mairie n'a pas de belles lois. Et tu m'as à comprendre que ma cambo tu as pour moi à effacer. A zombie si j'ai à Islam musique. Le deux digamas, le directeur, il y a pour des gens. La marraine, à voyer, elle retournera sur mon marambo. Pour nos hommes marambo. Il y a Béni et à Zonza, quoi. Paysage à Londres. Mais madame, au Londres, nous sommes où elle est là. On est balé dans le bourreau, côté va faire la cravate. Au sein du mariage, à Londres, à Mogawana, pour développer l'anglais. Parce qu'il y a une salle de deux jours au Japon. Il y a un peu de anglais, il y a un peu de japonais. Konnichiwa, komba, aligato, gozes mas. Ils ont un croco. 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 Vous comprenez? Sans Zuboué, ça va tout refaire! Sans Zuboué, ça va casser! On a les Japonais, on a les légende musicale complète! Pour dire ça va finir avec Eric Norton, Petit à Ben Moukacha, Petit à Andiris, qui sont des chanteurs de charme, on a appelé ça Koumbayama. On a appelé ça Maradia Miss. Et vous avez vu Tendele, la voyage à Tongola. Voilà, bim petit là, tu les zones et tu les zones. Au moins, il va plus être un petit. John Foster. Voilà. Soro John, le Cambodgien, c'est la grande débat contre lui. Au bâtiment, on ne tient pas de la chérie. N'a sabre. Parce que il gagne mes soldats, on passe par moi des filles, dans les polémiques, ma balle n'a pas mon apoto, mais bien en tout, au fond la Brazzaville, voyez la Brazzaville, sur le sol parisien, aïe, vous savez, maman, on a parlé de congrès, on a dans la salle à parler de congrès, en eux les japonais, évitez, filmez dans la salle au congrès d'idéologie. Je suis un peu plus de temps.
Qu'une seule chose, tout ce que Dieu fait est bon. Ça veut dire que si c'est arrivé à 7 heures, cela était programmé ainsi. Et cela ne doit pas nous gêner, cela ne doit pas nous mettre mal à l'aise. Voilà pourquoi je voudrais encore rappeler à certaines personnes qui se sont trompées ou encore qui se trompent pour ce soir. L'activité qui nous emmène dans cette salle, je pense que pour certaines, ils le savent. Les dîners s'organisent que lorsqu'il s'agit d'un mariage officiel. Et là, nous n'avons pas de mariage officiel, nous avons une dot. Et cet après-midi, nous tous, nous étions auprès de la famille pour se passer l'activité. Et le couple a pensé qu'il était bien, parce qu'à bientôt, nous savons tous qu'ils ne sont pas ensemble avec nous ici, ils vont bientôt partir. Ils ont pensé qu'il était bien de vous appeler, qu'on s'asseye ensemble, toi, moi, les différentes personnes, pour que l'on partage encore une fois de plus le petit peu de vin, le petit verre de jus et le morceau de manioc qu'ils ont gardé pour nous ce soir. Et c'est juste pour symboliser ce qui pourra arriver dans le futur. Parce que il faut vous dire que ceci n'est pas un dîner comme tel. Mais c'est une activité simplement et purement pour remercier la bonne volonté des personnes qui ont contribué de différentes manières, financièrement, physiquement, s'il faut le dire spirituellement, matériellement. Et ce couple ne devait pas repartir au pays où ils vivent sans vous dire merci. Donc différemment de ce que vous allez penser que c'est un dîner de mariage, non. C'est une activité qui permet simplement de remercier votre bonne volonté. Merci beaucoup.
une fois de plus, je vais dire encore bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Ah, c'est très mou. Bonsoir. Bonsoir. Je vais faire un petit contrôle pour m'assurer que toutes les personnes sont bel et bien là. Je veux commencer à la famille du monsieur. Bonsoir. Bonsoir. J'aime bien souvent de coutume, quand on nous salue, on a l'habitude de se lever. Et le mieux serait qu'on se lève pour marquer vraiment notre présence, que nous sommes là. Alors je dirais une fois de plus, bonsoir à la famille Mbemba. Bonsoir. Bonsoir. Merci, ça prouve que vous êtes là. Vous pouvez vous asseoir. Je vais passer donc à la famille Moussoja, ou si je me trompe, à la famille de madame, ou encore la future madame Mbemba, si vous êtes là. Je vous dis bonsoir. Mais je ne vous sens pas là. Il fallait qu'on se lève pour marquer notre présence. Donc on va refaire. Bonsoir. Bonsoir. Ah merci. Hein. De toute façon, la domination, ça me fait peur. Hein. Ok, merci beaucoup. Et nous savons que nous avons d'autres personnes parmi nous. Si vous êtes là, ils vont vous inviter. Ils vont vous dire, ou encore le couple veut vous dire de par ma bouche. Bonsoir à vous aussi si vous êtes là. Et simplement, vous allez vous lever pour dire bonsoir. Bonsoir aux différents invités. C'est pas bon là, c'est très mou. Est-ce que c'est comme ça qu'on va manger notre soirée? Je sais que vous avez faim. Parce que vous voulez manger, vous avez hâte de découvrir ce qui se cache derrière là-bas. Et ne vous inquiétez pas, vous allez vous fatiguer. Voilà pourquoi, déjà, pour permettre au Didier, pour permettre à tout le monde de s'imprégner de la soirée, je veux demander au Didier de c'est un peu de nous égayer. Didier, s'il vous plaît, on veut rentrer dans la soirée. Alors plonge-nous dans cette soirée et puis je reviendrai encore vers vous. I'm gonna make you mine.
C'est bon? La porte est petite. Pour rentrer. Par contre, vous me laissez toujours l'espace. Donc nous sommes ici chez Elite Shipping Fret. Nous faisons de l'aérien, nous envoyons vos colis en temps et en heure pour toutes les personnes qui ont douté. Botin Naraba Koli Nabino et Komakate. Je vous dis que ici c'est pas là-bas. Batata na ba mama beno wanita la ka boma na ko filisa ba bima na boala benke na ba famille na boala benke zo la filisa ba koli benke zo la filisa ba bima sam na construction ya ba inzo. Une seule adresse, un seul lieu que je vous conseille aujourd'hui, plus besoin d'hésiter, venez ici chez Elite Shipping Fret pour tous vos envois de vos colis. La seule devise de cette boîte, votre satisfaction est leur priorité.
ne peut pas arrêter cette joie. Impossible de l'arrêter. Mais toutes choses doivent se faire dans l'ombre. Voilà, très respectueusement, nous allons regagner nos places. Bien, vous allez rester là, vous allez tout regarder. On peut s'asseoir. Nous sommes 30 ans. Et moi, il fallait que j'en parle. Je me suis rapproché de ce couple pour chercher à savoir comment ont été vécus les 35 ans. Et quand je me suis approché du monsieur, il dit, mais grand, dis-moi, j'aimerais savoir comment tu as fait 35 ans. Il dit, petit, c'est compliqué. Une histoire que tu ne peux pas comprendre. Peut-être si je t'explique, tu dirais que je suis plus qu'un poutine. Peut-être si je t'explique, tu dirais que peut-être je suis mou. Mais les choses de l'amour ne s'expliquent pas. Est-ce qu'on peut dire que les choses de l'amour ne s'expliquent pas? Dans la joie, dans la misère, cette femme était là. Elle m'a soutenu, elle m'a conseillé, elle m'a éduqué, elle m'a accepté tel que je suis. Elle est toujours à mes côtés. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? Elle a été toujours là. Voilà pourquoi il fallait qu'elle puisse mériter ce qu'on appelle le nom de femme, le nom de madame. Une institution divine que non seulement Patrick va respecter, parce que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. S'attachera à qui? Et il a dit, moi, je décide aujourd'hui de m'attacher à celle qui fait ma joie de vivre. Et cette personne s'appelle comment? Je sens pas ça. Elle s'appelle comment? Est-ce qu'on peut applaudir une fois de plus les efforts de l'équipe? Faites tout de suite, s'il vous plaît. Ces efforts aujourd'hui qui ont eu un bénéfice. Je ne me suis pas arrêté. Je me suis rapproché. Maman Inguette, dis-moi, comment as-tu vécu les 35 ans? Elle me dit, oh, laisse. Si je me souviens, j'aurai des larmes. Parce que Patrick, il n'est pas facile. Il est difficile. Tu dis, mais pourquoi? Il est difficile. Tu ne peux rien maîtriser de lui. Mais une seule chose, Marie-Claude, c'est un homme bon et parfait. C'est un homme comment? Vous avez une peur là, je ne vous sens pas. Les hommes, dites-le, Patrick est comment? Patrick est bon et parfait. Et ces deux mots ont résumé toute la joie que je vis aujourd'hui. Nous avons vécu des hauts et des bas. Les gens nous voient aujourd'hui, mais ils ne savent pas d'où l'on vient. Ce que j'ai vécu moi, ce que j'ai accepté et ce que j'ai enduré. Aujourd'hui, ça reste mon Patrick à moi seul et je le garderai maintenant et pour toujours. Est-ce qu'on peut applaudir pour madame? Merci. Et voilà, nous allons demander au couple de s'asseoir. Dieu merci, je réponds plus. Parce que nous avons commencé à expliquer comment ils sont arrivés à aboutir à 35 ans et qu'ils n'étaient pas bien. Mais une seule chose, ainsi, simplement que la jeunesse d'aujourd'hui, nous vivons quelque chose de très compliqué. Est-ce que vous pouvez vous asseoir?
C'est très difficile parce que nous avons un réel problème. Notre génération a des couples qui n'est dur pratiquement 2 ans. Thank you.
Il y a beaucoup de travail.
Chose spéciale. Donc j'invite très respectueusement, avant de continuer, les petits-fils Mouloma, si vous pouvez mettre ici, je voudrais vous voir. Les petits-fils, j'appelle les petits-fils Mouloma, s'il vous plaît, on gagne le temps. Alignez-vous d'abord. J'ai quelque chose à raconter, j'ai une histoire à dire. Approchez, approchez. DJ, c'est bon. Pendant qu'ils approchent. Et ça, c'est une tradition qui est chère auprès de la famille Mouloma. Alors, pour le mariage de notre sœur Huguette Moussodiat, la Moussodiat, les petits-fils Mouloma, tous réunis, ceux de Brazzaville, ceux de la diaspora, ont réuni un montant qui n'est pas un secret, c'est 1 100 000 que les petits-fils Mouloma, cette grande délégation, a effectué tout un déplacement. Il y a ceux qui viennent de Pointe-Noire, de Brazzaville, de la France, et ainsi de suite, de la Belgique. Nous avons pensé remettre au couple ce merveilleux présent cadeau. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, souvent s'applaudissement quand même, 1 100 000, c'est un montant important, et on applaudit à toute la famille de Petit-Fils Mouloma. Je vous en prie. Merci beaucoup. Tu peux continuer. Merci, vous continuez à applaudir cette famille, à les encourager par les applaudissements. S'il vous plaît, applaudissons encore une fois de plus.
utiliser le mot. Monsieur Patrick, madame Higuette, certainement vous avez quelque chose à dire. Ça fait le sens. Ok, j'ai plus le micro juste. Alors, on va donner le sens de la soirée ce soir, parce que il ne faudrait pas que les gens soient dans la confusion. Alors c'est pour cela que je prends le micro pour expliquer qu'est-ce qui se passe ce soir. Ce n'est pas un mariage ce soir. Que vous restez dans la tête, ce n'est pas un mariage. C'est la dot. Je suis venu me présenter à la famille Moussoukia. Ça pourrait se passer là-bas, genre dessus, mais je ne pouvais pas danser avec madame chez la famille. Alors c'est pour cela que j'avais choisi que ce soir, on vienne ici pour qu'on puisse un peu célébrer cette journée. Même le vrai mariage va se passer dans un mois pas. C'est à Paris que ça va se passer. J'aime travailler avec les mêmes personnes. Préparez le passeport. Quand je prépare un truc, c'est toujours un an avance. Et il y a certaines personnes qui sont ici, on a travaillé ensemble, ce n'est pas facile. Elle est venue de loin, elle est venue avec toute la famille, c'est pas facile. Les trois enfants avec une petite fille, c'est pas facile. Canada, Paris, l'Afrique, tout. Mais on voulait que ça se passe ici. Je voudrais montrer à ma famille, voici la femme que j'ai choisie. Je voulais pas. Je vais raconter une histoire en parenthèse parce que puisque c'est pas mariage, je vais juste dire un truc. Bref, la vie le dit, c'était pas facile. Hein? C'est une femme que j'ai connue, je crois que j'avais même pas 25 ans. Elle a supporté, elle a beaucoup de l'air. C'est sûr qu'il y a certaines personnes qui sont parties, qui viennent de reformer avec le bien de jouer la nuit, vous vous trompez. Non, c'est pas. Voilà. Non. Je n'ai pas été aussi enfant aujourd'hui que je suis. Je suis resté calme, c'est parce que c'est cette femme-là qui m'a posé. C'est vrai. Il a permis à l'éviter la mort. Il a fait en donner un enfant aujourd'hui qui a un enfant. Il y a beaucoup de choses qui s'est passées. J'en ai fait tellement de conneries. Et que je me suis demandé comment je vais faire pour aller me faire pardonner à ma femme. Alors j'ai trouvé un moyen. Effacer toutes les mauvais souvenirs que j'ai fait. Alors je l'ai pris, je l'ai amené à voyager. Voyager, parti partout. Mm-hmm. Alors à remplir ses cerveaux des souvenirs qu'il n'avait jamais vus. Mais c'est un coup de barre. Et je me suis dit, à chaque fois qu'il va se rappeler de mauvaises choses que j'ai fait, il y a le petit côté quand j'étais dans un truc, dans un voyage, et ça viendra comme tout. Et sur cela, vous avez vu pendant 2 ans, on a fait que voyager, on a fait que voyager. C'était pour boucher tout ce qui s'est passé derrière. La vie, c'est pas facile. Vous le connaissez parce que je sais que certaines personnes me disent que c'est votre rêve au niveau de la symbologie. Moi, ça, je ne connais pas. Mais pour moi, c'est juste une comédie. À la maison, c'est une femme. Oui, oui. Voilà, à la maison, c'est une femme. Et une maman. Merci encore. Comme je l'ai dit, c'est juste une petite parenthèse. Le mariage va se passer à Paris. Il y a certaines personnes qui vont être choisies. Une fois je l'ai dit, je le fais. Je déplacerai de Congo jusqu'à Paris, comme je vais ramener ma famille ici. On se doit travailler fort. C'est quand même la soirée. On va le refaire à Paris. Merci beaucoup. Donc c'est pour vous encore, amusez-vous, faites comme chez vous. Deux, parce que moi je ne suis pas sapeur, doucement, j'ai le sens. Merci. Nous applaudissons une fois de plus, faisons du bruit, sans tout le monde à Paris. Nazaré, comme vous notez, c'est...
C'est pas la casse. Mais merci. Les enfants nous se dient. Allez autour. Ah, là c'est un problème. Là. Je rectifie. Il y a aussi les enfants qui sont nés de cette famille, qui veulent aussi encourager papa et maman. Et voilà pourquoi vous avez la possibilité de le faire à vous. Merci. Thank you.
là, je vous prie de vous approcher. Ils vont se fatiguer, ils doivent aussi se reposer, s'il vous plaît. Voilà, je vais donc vous demander respectueusement de vous d'aller s'asseoir. Merci. Allez,
Fire!
Thank you.
En tout cas, tout d'abord, je remercie le bon Dieu qui a permis ce moment. Parce que sans Dieu, ce jour n'allait pas arriver. Deuxièmement, je remercie nos familles. Ma famille et la famille de mon mari. Amen. Voilà. Parce que sans eux non plus, ça ne devait pas être, ça ne devait pas se passer. Troisièmement, je remercie mon mari, voilà, aujourd'hui qui a sauté le pas pour la deuxième fois, parce que comme il l'a dit, la première fois il m'a demandé un mariage, enfin il voulait faire la dot, on était très jeunes, on avait moins de 30 ans, et moi j'avais, je l'aimais tellement que quand il faisait quoi que ce soit, j'avais mal, j'ai dit non, non, je ne vais pas souffrir, vraiment si c'est la dot, non, non, on reste comme ça, mais pourtant je l'aimais, c'est comme ça, c'est la vie. Il y en a qui fuient les responsabilités. Moi, je fuyais mes responsabilités envers lui, ce qui est sûr. Mais c'est l'homme que j'ai toujours rêvé dans ma vie. C'est l'homme que j'ai toujours aimé dans ma vie. Donc aujourd'hui, je suis heureuse. C'est vrai qu'il y en a qui vont dire, oh, on l'avait déjà doté. Il y a doté et doté. Ça, je suis consciente. Oui, j'ai grandi. J'ai pris de l'âge. Là où je vous parle, c'est mon mari, c'est mon chéri, c'est mon tout. Que ça marche ou pas, c'est ta vie. De toutes les façons, je l'ai aimé, il n'avait rien. Il n'avait rien. Ce qu'il a dit, parce qu'il ne peut pas ouvrir, on reste, bon, c'est l'intimité d'un couple, mais on sait d'où on vient. Mais je l'aime énormément, il le sait très bien. Donc, je remercie en tout cas tout le monde, les invités, ceux qui viennent de Paris, tels que Philippe Zioni, qui a pris son billet, qui est venu spécialement pour moi. Beaucoup de gens, beaucoup de gens. Les noms m'échappent. Mes frères, Médaré, Bonnard, Monsodia. Ma soeur Peggy me manque aussi. Mes enfants sont venus. Voilà, je suis aux anges, je suis au top, je suis... voilà. Et puis, merci à vous aussi, hein, qui nous entourez, plein de caméras que je ne connais même pas. Je ne connais même pas toutes les Fayel caméras. Image. Mais Fayel Image. J'ai l'image. J'ai l'image et... Voilà. Toujours Fayel Image. Voilà, voilà, ça fait plaisir. Fayel Image, il a voulu me faire cadeau parce que, voilà, je suis moi. Je suis humble avec tout le monde. Ils se sont mariés il n'y a pas longtemps. Ils ont peut-être senti quelque chose de bien. Mais ils ont dit, Noyguette, je t'offre la caméra. Voilà. Le seul conseil, il faut être bien avec tout le monde, croire en Dieu. C'est le seul. Vraiment, le secret, c'est que ça. Il n'y a que ça comme secret. Aimer tout le monde et croire en Dieu. Je vous aime tous. Merci beaucoup. J'aime mon mari. Et puis, bisous, chérie. À bientôt. Bye bye. Ah voilà, tu ne peux plus rien ajouter. Tu t'es dit, ah parce qu'il t'a mis peut-être acheté comme un chef de garde. Alors, quand les femmes parlent, on ne peut plus rien ajouter. C'est ça. On doit appeler le congrès. En plus, merci beaucoup. Je pense qu'elle a tout dit. Finition a dit, on m'appelle la sénatrice. Mbalukinga na butu esimbite Mitumba ya molili balongite Sokyo moni na tongo bakomi agite Yebakyo na butu esimbite Ba propose ba mongo esimbite Mba efron yon sa obamba ye Soki nasyo atalipa ye bakangi elongi Yon sopo na butu esimbite Mbamuna ba
bakwe, 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 bakwe